PEGI 18. Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de Battlefield Hardline. On a terminé du coup le premier épisode, ça s'est relativement bien passé pour le coup, nous voici donc pour le deuxième formalité de départ. N'oubliez pas le petit pouce bleu en ce début d'épisode, on a deux suspects visiblement à rechercher et deux indices à trouver. Alors, Rosado Javier, Volker Gary. Voilà les deux qu'on va devoir choper entre temps. Et puis, enquête sur l'hôtel Elmore et chaîne logistique du Hotshot. Voilà ce qu'on va devoir trouver. Ça devrait être assez simple. Je le rappelle, en partenariat avec Eneba, ce petit let's play, puisque le Xbox Game Pass Ultimate est à 5€ sur Eneba. Évidemment, tous les mois, il faut le reprendre si vous voulez continuer. Mais c'est ça ce qui est cool, c'est qu'en plus, vous avez le contrôle et au lieu de payer 15€, bah vous payez 5 balles. Donc c'est vraiment cool. Ça régale. Merci Eneba et bon visionnage. Fais chier. Ouais, compris. Encore deux corps repêchés dans la baie de Manatee. Ils devraient les utiliser comme bouée. Mendoza, j'aimerais vous voir une minute. Oh, chaud devant messieurs dames. Jeune inspecteur pressé. Guy. L'inspecteur Daou reprend du service aujourd'hui, contre l'avis de son médecin, mais avec mon accord. Ça va? J'ai arrêté le baseball, mais ça va bien. Mendoza, la coke que Stoddard et vous avez saisie, vient de Colombie, en passant par la mer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Tout passe par le Mexique désormais. Et Tyson Latchford, qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur Latchford, contre toute attente, a un excellent représentant juridique. Tenez. Voici Léo Ray, surnommé Stingray, grossiste du cartel. Hier, il a appelé mon bureau. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Alors, il faut faire venir Léo? Mais en toute discrétion. Le seul à être au courant de tout ça, c'est moi. On ne sera pas plus en sécurité ici qu'on ne le serait dans la rue. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bien, alors à vous de jouer. Et par contre, elle commence à me kiffer la madame, hein, parce que c'était quand même mal barré entre nous deux. Hein, et ça, ça fait... Oh, ça fait plaisir. Waouh! Mais non! Mais les gars! C'est GTA 6! Désolé d'en faire presque trop, mais les gars, le jeu est sorti en 2015 sur PS3, 2013-2014. Incroyable. Bon, apparemment, on va être tous en danger, là. Bon, elle a l'air d'aller mieux. Si on veut. Ouais, oui. C'est une guerrière. C'est une vraie guerrière. Des flics véreux. Je pige pas. Tu piges pas? Sérieux? Bon, d'accord. On se crève au boulot et on est payé de la merde. Ouais, mais à part ça, c'est la vie de la chat. Bah, du coup, notre collègue, il est dans le coup, quoi, en fait. Il fait partie du trafic de drogue. Voilà, celui qu'on a vu dans le premier épisode, qu'on a vu en photo, du coup. La caisse et tu me couvres. Ah bah. Salut les beaux gosses. Pas de la voiture. Des gorilles, Léo? C'est pas malin, ça. C'est qui, lui? Je l'ai trouvé qui allait au zoo. Il aime les espèces en voie de disparition. Non mais c'est quoi, cette gonzesse? Elle manque pas d'air. J'avais demandé Dose. Et Dose nous envoie. Le prochain coup de fil, ça a intérêt à être pour me dire où et quand on va pouvoir discuter comme on était censé le faire. Je viens pas servir de larbin à des cons de flics pourris. Il me faut une vraie protection. J'ai raté le match. On y va. T'as qu'à me laisser ça. Doucement, ma petite dame. Hey, tellement badass. Il paraît que t'as serré Tyson Latchford. Il y avait du passif entre vous deux. Quel genre de personne ferait ça? Garde tes discours pour Dose. Stinger, qu'est-ce qu'on fait? Va dire à ton boss que je lui servais tout sur un plateau et que t'as tout foutu en l'air. File-moi le sac, Léo. Ou je descends ce type. Léo, bon Dieu. Ok, ça dégage. Oh. Aïe, c'est qui ces mecs, bordel? Des gens qui savent que Léo a parlé. Comment on fait? Mais comment on le poursuit? Moi, je vais prendre la voiture. Bon bah tant pis. Allez go. Eh, vous avez vu mes deux headshots quand même. Masterclass, hein.
Ah mais là à pied on va être débile quoi. T'as aucune chance de t'en tirer. On bouge plus les gars. Agent souffle. Aïe. Oh ça craint. Oh ça craint. Au secours. Léo, reste dans la voiture. Ne laissez pas entrer. Ouais mais là il y a trop de people. Arrête. Ok. Mais putain, je vise tout à côté. Allez, merci Maracaï. Ok. Allez Kai, on y va. J'espère que Léo va bien. Reste avec Léo. Go 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 go. Léo. Je suis là pour t'aider. Hey. Pourquoi tu me tires dessus? Il y a moyen de faire des belles choses. Allez. Hop. Bonjour madame. Léo, putain, arrête de courir. Bonjour madame. Excusez-moi. Il faut rester focus. Scanner, scanner. Ah, pep, pep. Non, attends, j'ai un truc apparemment à choper. Je vois, Kai. Ah, ok. Tenez, les flics se sont pointés. Vérifiez les corbeilles. Ok. Attends, mais si ça vibre, ça veut dire qu'il y a des indices à récupérer. Bon. Hé hey Léo, non sérieux, tu me fais perdre mon temps. Bougez pas. On va faire ça tranquille ou bilou. Bouge pas ça. On se calme, mon pote. Ouais. Bien tenté, Léo. Voilà. Ça dégage. Alors, ensuite. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hop. Aucun respect. Il a pas dit bonjour. On passait juste te prendre. Stop. T'es en état d'arrestation. Ça marche. Attends. Là j'ai un problème. J'ai les mains levées là. Voilà. Désolé hein. Le mec se rendait mais je m'en bats les couilles. Hein. Voilà. Il y en a un autre. Voilà, allez, légitime défense. Ah non, il y en a un autre. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je fais des headshots, mais c'est illégal. Hein. La police, elle a pas le droit de faire ça. Je suis en train de réaliser. Incroyable. Alors, où sont les trucs à récupérer, là? Parce que... Il y a des trucs à récupérer, là. Attends, je vais passer à côté de plein d'indices. Ah, mais il y a encore des gens. Bon, bah, visiblement, il n'y a pas d'indices. On passe comment là? Par là? Non? C'est un labyrinthe le bazar? Il y a une porte là-haut. Vas-y, je monte. Ah bah là, il y a des indices, 100%. Ici. Voilà. Premier indice. Ensuite. Alors attends, voir l'indice. Des rumeurs indiquent que le personnel de l'hôtel vend la drogue à ses clients. Ok. Superbe. Superbe. Bon bah y'a rien d'autre. Équipement tactique c'est bon, pas besoin de changer. Allez. On avance. Ah dommage. Après le but c'est pas de tuer Léo non plus hein. Ça va monsieur? Allez go 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 go. Léo. Il est plus rapide qu'il en a l'air. Ah là là. Cet hôtel doit avoir une salle de surveillance. Je vais le chercher avec les caméras. Oh, je peux pas tirer. Ok, tiens-moi au jus. Incroyable. Enfermez-vous et baissez-vous. Allez, barrez-vous de mon chemin. Avis au personnel et aux clients de l'Elmore Plaza. Une alerte de sécurité est en cours. Si vous êtes dans votre chambre, verrouillez la porte et n'approchez pas des fenêtres. Putain, il faut arrêter Léo, en même temps le protéger. Ça n'a pas de sens. Attention, il y a un paquet de civils dans le coin. Regardez ça au connard qui tire dans tous les sens. Il est con lui. Non, vous chopez pas Léo. Arrête! Oh, oh, ce que je t'ai mis. Léo, il est où? Ah, là-bas. J'ai vu des coups de feu. C'est qu'il est là-bas. J'arrive, Léo. Je vais te sauver, mon pote. Il est sérieux, lui? Il s'est pris pour un mafia, lui? Un mafieux? Alors, toi. Ok, je vais sortir le space 12, frérot. Ça va pas rigoler, là. Ça va chier des bulles. Voilà, allez hop. Pas le temps pour vos conneries là. Voilà. Voilà.
Je recharge. Incroyable. Bon, j'ai trouvé la salle de surveillance. Continue à avancer et t'arriveras dans le hall. Pas de problème. On défonce tout. Ok, je m'en occupe. On descend les escaliers. Il est au premier, au-dessus du hall. Au premier, d'accord. Je déplace. Il est dans un des bureaux. Merde, Nick, il y a d'autres types qui se dirigent vers le hall. T'inquiète. Monte à l'étage, mais évite de te faire voir. Ouais, je ferai gaffe. Dispersez-vous et trouvez-les. Ok, ok. Alors là, je suis dans la merde. Je sais même pas où il est. Ni Léo, ni rien. J'aurais voulu. Plus. T'es en état d'arrestation. On fait que traîner. Ça va, t'énerve pas. Genre, ils m'ont pas vu les autres. Je me chie dessus. Ils m'ont pas vu les autres. MDR. Eh, j'ai la chatte à la gigine. Bouge plus, police. Les hey, deux, les deux, les deux, les deux. Sortir de l'hôtel. Ouais. Oh là, je suis tout seul contre tous. Voilà, hop, ça dégage la racaille comme d'habitude. J'adore dire cette expression, évidemment. Rien de péjoratif, vous le savez, c'est que de l'entertainment et de l'amusement ici, hein, je le rappelle. Je vais sortir le petit pistolet. Oh putain. Il est où le bug là? Il y a un bug là, mais je sais pas où il est. Ah là. Ok. Oh merde. Eh, comment il tient son... Oh lui, je dois l'arrêter. Oh. Suspect sur votre position 13. Oh non. Alors attends. On va éviter de tout faire capoute. Je vais envoyer un truc là-bas. C'est quoi ça? C'est bon. Hein? T'es en état d'arrestation. On bouge pas. Calme, mon pote. Bouge pas. Et arrête-toi. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ce fumier est à terre. Envoyez le fourgon. Bien reçu, 13. Alors toi, mon pote. Juste. Voilà. Tu fermes ta bouche. Je vais sortir la matraque. Attention. Et regardez ce qui va se passer. Ça va être magnifique. Hein? Quelqu'un y a fait parfait. À la one again. Paf. Oh, je suis déçu. Bon, bah je suis très déçu. Là, il y a forcément des trucs. Let's go. Voir l'indice, répondeur. Preuve que le personnel de l'hôtel est impliqué dans le trafic. Let's go. J'adore les preuves. N'hésitez pas à mettre pause, bien évidemment. Hop. Salut, mec. Ah. Ah. Voilà. Allez. Tu bouges pas. Où est-ce que t'es? Je monte au bureau dont tu me parlais, Kai. Ouais, je monte. Sacré Léo. Je sais pas comment il a fait pour passer entre les mailles du filet. Ok. Ah bah. T'es une vraie pipelette. Hey. Ah ouais. Kai. Je veux plus entendre un mot au sujet de ce signe. Arrête. Chose. Scandale. Kai! Mais putain! On a la moitié de la racaille de Miami qui nous tire dessus, et toi tu dérouilles Léo. Tu joues à quoi, là? Ça va poser problème. Y'a plein de trafiquants crevés dans cet hôtel, donc on a déjà un problème sur les bras. Léo a besoin de protection. Alors on peut y aller. Il est pas en état de marcher, tu sais. Alors aide-le, toi, putain! Hé! Hey, c'est toi qui l'as mis dans cet état, pas moi. Allez voir dans les bureaux à l'étage. Merde. Putain, mais elle déraille la caille, hein. Allez, on y va. Allez. Je vous suis. Ah, ça y est. Où vous voulez. Ça y est. Léo qui fait le susboule, quoi. Protection, Ados. Léo, c'est qui, ces types? Tu l'interrogeras plus tard, Mentosa. On se casse, allez. Hé, hey, inspecteur. Prends-le. Allez, go. Allez, on va défoncer tout le monde maintenant avec grand plaisir, hein. Hop, ça dégage. Voilà. Un petit peu fort, le son, pardon. C'est violent, hein. Oh là. Hop, hop. Oh, aïe! Eh, mais ça fait mal! Attends, bouge pas. Ah, mais ça marche pas, ça! Ah, mais c'est vraiment taser, ça, je me suis trompé.
Voilà. Voilà. Ils ont envoyé du gaz. Oh 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 oh. Oh oh, il y a du véhicule qui arrive. Oh putain. Bon allez, on y va. Kai, tu me suis? Oh, on va avoir un problème. On va avoir un petit problème là. Oh non. Voilà. Comment je faisais pour jouer à la manette? Je ne sais pas, mais ça devait pas être facile. Hein. Hop, on récupère les munes. Merde, je suis à sec. Attends, bouge pas. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. J'arrive. J'arrive, mon copain. Merde. Hop là. Paf, paf, paf. Allez, le 4x4. C'est parti. Pardon, je voulais pas donner un coup. Tu sais conduire ce truc? Léo est à bord. Force. Allez, on roule. Let's quand go. Je pense que t'as dit que ma dernière mission était un vrai merdier. Allez, j'avoue. Roule. Elle s'est excusée quand on même. Tiens, Léo, où est-ce qu'on le conduit? Elle s'est quand même excusée. On arrive par la route surélevée, on est en tout terrain. Oh non! Un moyen de nous rater. Wesh! Attention, okay, hein! Marche. Il est en rogne. Moi, je suis en rogne. Bon, on va où alors? Il nous retrouve de l'autre côté du pont. Ok. Accroche-toi! Hop, hop! Ah, oh, les sensations sont sensationnelles! Quoi, dans un hélicoptère? 100 km/h, ça se ressent! Léo a plus d'importance que tu l'imagines. Suis les deux. Attention! Oh putain! Oh, on a eu chaud au kiki là. Tu veux pas tirer là? Tu veux pas m'aider? Oh la racaille! Allez, maintenant ça! Bah oui. Fais le tour! T'inquiète! Fonce dans ça! Accroche-toi! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Et je savais qu'il fallait là. Oh non! Oh non! Super! Ah, c'est trop nul! Ah, oh, j'ai été nul! Ne t'arrête pas! Ouais, go, 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 go! Salut les amis! Ah, j'aurais peut-être dû aller là. C'est pas grave. Eh merde, accélère à fond! Ah, bah oui, je veux bien. Oh mon dieu! Hollywood en sueur! Hollywood en sueur! Objectif atteint! Inspecteur! Vous savez, j'ai appris deux choses aujourd'hui. D'une, vous êtes des as de l'impro. De deux, vous n'êtes pas foutu de rester discret. Ces enfoirés savaient où se trouvait Léo, chef. L'un de vous deux veut bien me raconter ce qui lui est arrivé? Bah, ça secouait pas mal dans le camion, capitaine. Léo n'avait pas mis sa ceinture. Ça doit être ça. Allez, relevez-le. Léo était déçu de ne pas vous rencontrer en personne, chef. Mais j'ai l'impression qu'il faut le mettre en détention préventive. C'est ce que je conseillerais aussi. Et vous, inspecteur, hein? Vous êtes sûr que Léo a été blessé pendant le trajet? Quand on vous posera la question, c'est ça que vous répondrez? Oui, chef. C'est ce que je dirais. Bien. Je vais l'emmener dans un endroit plus discret. Et vous deux, disposez. Aïe, 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 aïe. C'était quoi ce bordel, là? Va falloir nous expliquer. Entre flics, on se couvre, c'est comme ça. Il veut juste qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Oui, mais laquelle, au juste? Une qui nous aide à comprendre qui a voulu nous baiser aujourd'hui. Eh oui, parce qu'on sait plus qui est gentil, qui est méchant, qui fait quoi, qui est le leader de la drogue, qui veut arrêter qui, etc, etc. Ce fut un épisode relativement court, les amis. Alors on va enchaîner avec l'épisode 3, APA pour Alligator. C'est parti, mon kiki, la cocaïne a envahi Miami et Léo Stingray. Voilà, nous n'aurons pas la suite. On a 3 personnes arrêtées. Oh mince, j'en avais arrêté qu'une seule. J'ai buté tous les autres. Bon, bah j'ai mal fait mon boulot, mais c'est pas grave. Nathan Brown, Belle Thomas et Luis Minguez. On va essayer de les avoir également. Pareil, tous les indices, je les avais pas tous eus, je crois. Hein. Oh bah mince. Mince alors. Vous vouliez me voir? Asseyez-vous, Mendoza. Je vais faire quelques changements pour vous deux. Ah, les inséparables. T'inquiète, il va pas te coller à la circulation. Non, pas tout de suite. Donc, Léo, notre cher ami, nous a dit ce qu'il savait et il est reparti tranquillement. Il voulait pas de notre protection, alors? Dites à Nick ce que Léo nous a apporté. Des ballots de drogue. Sans déconner. Les avions volent, les drogues tombent, plouf, dans les Everglades. Montrez-lui. Une carte de pêche. Qui a monté l'opération?
Un connard du nom de Rémy Nels. Il y a encore 2 ans, ce Nels n'était rien d'autre qu'un petit point sur le radar. Aujourd'hui, il dirige toute l'organisation qui a employé Tyson Latchford. Il a l'air d'un mec ambitieux. En effet, je veux que vous rappliquiez dans ce trou boueux qui nous sert de parc naturel pour découvrir à quel point il l'est. Mais je comprends pas pourquoi Léo aurait dénoncé son boss avant de repartir tranquillement. Léo a dit qu'il ne se sentait plus vraiment en sécurité avec les flics. Ce sera tout. En fait, Mendoza, je dois vous parler. D'accord. Votre équipière est une vraie tête brûlée. Elle croit en ce qu'elle fait, chef. Bonne réponse. Assieds-toi, fiston. Ça risque de nous retomber dessus, ce qui s'est passé à l'Elmore. Brutalité excessive, etc., etc. Ne t'en fais pas, je m'en charge. On est reconnaissant. Mm-hmm. Merci, chef. Ça va, ta mère, inspecteur? Excusez-moi. Je suis sûr qu'elle a enduré pas mal de choses pour te faire sortir de Cuba. On ne devient pas inspecteur à ton âge sans que ton passé soit examiné à la loupe. Et ton passé est plutôt chargé. Chef, je... Ah, c'est rien. Je sais ce que c'est que d'avoir un connard comme père, moi aussi. Ça m'a pris du temps pour trouver mon chemin. Tu es... sur la bonne voie, fiston. Alors reste-y. Magnifique. Bon, par contre, ce mec, je le déteste, hein, ça y est. Hein. C'est quoi cette carte pourrie que Léo nous a refourguée? On est vraiment sur GTA 6, par contre, les gars. Hein. J'insiste. C'est censé être là. Il l'a filé à dos sans se faire prier. Comme ça, gentiment. Oui, ben, gentiment ou pas, elle est merdique, franchement. Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui lui met la pression. Léo tient à ce qu'on sache que quelqu'un balance cette cam. Histoire qu'on élimine ses concurrents. J'ai raison. Léo sait qu'il est grillé à Miami. Ma main coupée qu'il est en train de monter en ce moment même un labo de stup dans l'Iowa. Au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris de lui foutre une raclée pareille? Léo me faisait vraiment chier. Je voulais qu'il se calme un peu. Ouais, mais la police des polices aussi aurait pu te faire chier. T'y as pensé à ça? Ah, voilà. Rapproche-nous du point de livraison. Super, une petite balade en amoureux. Les trafiquants suivent leur paquet par radio. Ce numéro sur la carte de Léo, ça doit être la fréquence. Allez. Et regarde un peu ça. On a un signal. Rapproche-moi d'un paquet et je le marquerai avec une fléchette. Ça, c'est génial. Quelqu'un va venir récupérer tout ça. C'est magnifique. À j'ai hâte. Les cartels passaient la drogue par Miami, les marais grouillaient. De 2025. Peut-être que l'histoire se répète. Oh, un crocodile! Faut espérer que non. Dans le temps, les types du cartel profitaient des fêtes d'anniversaire de leur monde pour s'entretuer. Ouais, je me souviens. J'étais tout môme à l'époque, j'ai vu un tas de saloperies. Du sang coagulé sur le trottoir, des pitbulls avec la gorge tailladée. Comment ta mère a fait pour t'empêcher de basculer? C'est peut-être un peu banal. Elle travaillait beaucoup. Et elle m'aimait. Ouais, banal à en crever. Le fiston à son maman. J'aurais jamais cru. Ok. Il est marqué. On va voir où il va. Ok, faut qu'on se barre du coup. Un autre signal. Ça marche. Trouver le colis de drogue. Ce paquet pèse au moins 10 kilos. L'Amérique aime la fête. Je dis juste que c'est pas des amateurs qui font ça. Dose nous enverrait pas ici si c'était le cas. Mettons que les cartels se servent encore de Miami pour faire passer la cam. Ça leur servirait à quoi? À mon avis, le Mexique est devenu trop dangereux. Le trafiquant de base risque toujours la prison, mais pas de se faire décapiter par le premier truand venu. L'Amérique aime la fête, en effet. Un avion. Et au fait, merde. C'est pas rien que Dose nous ait mis sur l'affaire. Tu t'en rends compte, j'espère? Oh, je sais. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on fait, on pourra rien présenter pour un juge. On s'en branle. C'est plus marrant comme ça. Bah oui. Eh oui, on fait des trucs pas très légaux malgré tout. C'est ça ce qui est ouf. Donc plusieurs cartels de drogue, des policiers certainement corrompus, véreux,
et des trucs pas très légaux que nous faisons forcément. Ça sent pas bon pour nous de toute façon ce qu'on est en train de faire. Hein. Allez, on marque. Ça sent pas bon du tout. Et au fait, le capitaine Dose, c'était une vraie terreur quand il était jeune. Ouais, c'est ce qu'il paraît. C'est quand même un peu risqué de bosser comme ça. Un petit conseil. Tu peux être le chouchou du capitaine, n'y va pas par quatre chemins. Ah, j'ai bien compris, alors, ouais. C'est comme ça. Pose ta jouer à la cow-boy. Tu commences à piger. Faut sucer le capitaine Dose. C'est bien malheureux. On va finir en prison, je dis ça, je dis rien, ça me rappelle le prologue du début, n'est-ce pas ? Arrêtez-vous près d'un quai pour quitter l'hydroglisseur, pas de problème. J'ai un signal près de ce parachute. Bon, je vais jusqu'au quai. Hop, et voilà le travail. On a de par ici. Y a pas à s'en faire, ils ont plus la trouille de nous que l'inverse. Allez, on va partir sur marquer le dernier paquet. Bah il était pas là ? Ah non, d'accord, oui, c'est bon, je viens de comprendre. Ah bah il est là, bah voilà. Comment je le marque ? Hop ! Arrête ! Mais non ! Mais non ! Oh, j'ai eu trop peur ! Oh purée, j'ai cru que j'étais mort ! Incroyable ! Putain de merde! T'as rien? Ça va. Oh mince! Dire merci. Ok. Merci. On devrait peut-être rester sur la piste. Oh là là. Plus la trouille de nous que l'inverse, hein? Ouais, en tout cas, sortons de l'eau. Ouais. Vaut mieux. Keep out. Ah, on n'est pas les bienvenus. Du coup, ben. Bah... Sur cette plateforme. Essaye avec ce grappin, je l'ai emprunté au SWAT. Ok. Non mais hey, jusqu'au bout on fait des trucs pas très très légaux, hein. Utiliser le grappin pour atteindre des lieux en hauteur, ça me paraît. T'as jamais utilisé un grappin de ta vie ? Cohérent. Si non. Si t'inquiète. Lance le grappin vers la plateforme. Facile, regarde. Voilà. Oh c'est pratique. Disons-le, c'est pratique. Ok. Oh, on a une belle vue. On a une belle vue. Je peux quand même vérifier que... Ah, ce sont des vieilles plateformes d'observation. Ah ah. Ça va, Kai? Comment va l'épaule? Ça me fait un mal de chien. Ah oui. Faut aussi monter, là, j'imagine. Alors, attends, le grappin. Hop, hop. Oh là, je suis un pro du grappin. Ah, je vous le dis, hein. Je suis un pro du grappin. Mais une fois qu'on est en haut, on fait quoi en fait? Tiens, ah. J'ai aussi une tyrolienne. Ah, mais elle a tout ce qu'il faut! Mais c'est incroyable! Et après, elle va avoir un paramoteur. Excellent! Allez, ça c'est top ça. Ça c'est top. Incroyable. Oh putain! Les gars, ok, est-ce j'ai un mec scanner à arrêter. Kai, on a de la compagnie. Ça doit être l'équipe de ramassage. Ouvre l'œil. Oui, bah lui, il faut absolument qu'on l'arrête par contre. Hein. Au moins, c'est pas une perte totale. Il y en a encore une bonne moitié de nickel. Je sais pas, l'autre moitié est pleine de feuilles et de saloperies. Bon, raconte pas ta vie, j'en ai rien à péter. On va s'occuper de vous. Vous allez rien comprendre à votre vie. Bon, Kai, je vais avoir besoin de toi hein, quand même. Hein, parce que là. Alors, c'est vrai que je pourrais faire péter le machin. Après, s'il y en a que 3 en vrai. Ah merde. Oh non. Kai. Ok. Ok. On trouve un moyen de sortir la cave sans que Nels s'en aperçoive. Plus un geste! Tu restes où tu es? Il se passe quoi là? C'est quoi ce bordel? Allez, hop! Voilà! Et 2-1! On s'occupe de celui-là, Nick! Parfait! Parfait, merci! L'autre il nous a même pas vu! Excellent! Complètement teubé! Bouge pas tard! Voilà, allez hop! C'est trop facile! Alors tu vas te calmer quand même, je suis pas ton d'accord? Ok, hein? Bon, j'ai des trucs! Là!
apparemment c'est chaîne logistique. Ok, ah j'ai encore autre chose là. Parfait, colis de drogue. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Je n'ai point l'impression. Pas mal, bon en tout cas on a pas mal d'indices également. Fût de produits toxiques. La tartrazine est habituellement utilisée comme colorant jaune dans l'alimentation. Bah alors il n'y a rien de... C'est totalement inoffensif, il n'y a aucune raison de tout jeter ici. Ah ok, oui, d'accord. Donc c'est évidemment suspect. Voilà, d'accord. Ça me plaît beaucoup. Mais là c'était pas un indice là que j'ai récupéré là. Indice 2 sur 2, bah voilà, bah c'est bon. C'est parfait, j'ai envie de lui mettre une balle. Bon, bah ma foi, plutôt sympa cette expédition. Ok, je dois rentrer dans le cabanon. Pied de biche, hop, j'ai tout ce qu'il faut dans ma poche. Voilà. Bonjour. Impeccable, on a une cache, équipement tactique. Est-ce qu'on a des nouveautés? Alors attendez, le pistolet déjà, on a des nouveaux pistolets. Oh purée, on a le choix de ouf. Alors, dégâts, précision portée. Bon, évidemment, celui-là, voilà, entre E2, lui est meilleur. Hop. Et si on le compare avec les autres, oh purée, il fait autant de, lui, il fait autant de dégâts, mais il a une meilleure précision et un meilleur contrôle. Donc, ça ne fait pas de doute. Lunettes, mire. Accessoires, j'en ai pas, bougez pas. Camouflage, oh. Oh, on va mettre un petit camouflage militaire, la forêt splinter, c'est pas mal ça. Ensuite, le stakeout. Oh là là, la pénonante. Oh, non mais c'est une dinguerie de faire ça. Hop, la pénonante. Lunettes, mire, accessoires, toujours pas, bouge toujours pas. Et camouflage. Oh, on va pas dégueulasser la pénonante, on va la laisser comme ça. Et puis là, du coup, nous avons le gadget. Élimination non mortelle à courte portée. Sinon on a quoi? Bah on a le grappin. Renfort blindage, premier soin, bonne nuit. Bon on va garder ça. C'est un paralyseur quoi. Et la tyrolienne. Et écoute, on va laisser ça là parce qu'à mon avis sinon on va se mettre dans le caca. Qu'est-ce qu'on a là? Je t'ai trouvé une fréquence. Allez, 120.13. Point 13. Ça donne quoi? Allez, régale-nous. Oh. Vise-moi tous ces jolis points lumineux, partout sur le lac. Super. On va prendre un bateau pour aller voir. Ça tombe bien, il y a un bateau à côté, comme par hasard. Tiens, tiens, comme par hasard. T'as fait quoi là, ma jolie? Télémétrie du scanner. La partie supérieure gauche du scanner fournit des informations sur votre position. Tout à fait, on avait bien compris ça depuis le premier épisode. Équipement tactique, hop. Vous voulez demander des renforts? Non. On n'est pas vraiment dans notre juridiction. C'est vrai. Trouvons Nels d'abord. Il est plus ambitieux que je pensais. Comme tous les sacs à merde de gens. Allez. Tu sais ce qui me fout le plus la trouille dans cette guerre de la drogue? Le vainqueur aura du fric et des flingues à plus savoir qu'en faire. Ouais. C'est vrai. Et une fois qu'ils auront fini de s'entretuer, ils s'en prendront à nous. C'est reparti comme dans les années 80. C'est pour ça que Dose veut y mettre un terme tout de suite, avant qu'on en arrive là. Alors si on doit sortir un peu des clous, ou même carrément, ça me dérange pas. Ça sauvera des vies. C'est pas faux. Alors pourquoi t'as pas l'air convaincu? Parce qu'il va se passer quoi au final? Pour en finir avec les gros poissons, les parrains, et pour que ce soit définitif, il va nous falloir bien plus que des armes à feu. J'en sais rien. Et toi? C'est un jeu dangereux, inspecteur. Tant mieux. Mais C'est le jeu que je préfère. Attendez, attendez, attendez. Si on me propose de venir là, alors qu'il y a rien, c'est qu'il faut que je monte là-haut. Parce qu'il va y avoir quelque chose. J'ai capté, les gars. Je suis un génie, voilà. Hop, on prend le grappin. D'accord. Et alors là, mon poteau, j'ai tout compris à la vie. Le grappin. Allô? Est-ce que je peux avoir le grappin? Voilà. Ah! Bon, bah alors ça sert à quoi? Je vais me faire bouffer par un crocodile, je reconnais ça. Bon, bah ça servait à rien de s'arrêter là, hein. Ma foi. Bon, viens ma belle. Racaille! On y retourne. C'est pas grave. Fausse manipulation de ma part. Attention, porte à faux arrière, bien évidemment. The body. Parce que là, c'est pareil. Il y a une structure, là. Oh, c'est beau. Oh, les crocos, je l'écrase. Excellent. Excellent. Ouais, il y a eu des safaris ici, je reconnais, hein. Là, c'est pareil, je peux m'arrêter là, mais y'a rien là. Ah ouais, que dalle.
Ah, vous avez entendu. Le téléphone a vibré. Tout à fait. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici à récupérer. Et... ou alors c'est moi qui suis parano. Mais non, mais c'est pas possible. Ça a vibré. Je suis pas débile. Mais... qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais il faut monter les gars. Hein. Là on peut monter là, c'est sûr. Ah... voilà! Intelligent le M-Colo, bien sûr. Ça mérite un petit like hein, quand même. Regardez, juste ici. Allez. Allô? Ah. Ah, c'est gênant. Ah, le jeu n'avait pas prévu que je trouve cet indice. Bon, les amis, j'ai relancé le jeu. Je suis curieux de voir... où c'est que ça va reprendre? J'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Ça c'est sympa ça. Ça c'était sympa aussi le précédemment. Bon, on en a pas besoin. Ok, ça va, c'est bon, on reprend ici. On reprend ici, vous l'aurez compris. On reprend à peine le bateau, donc c'est pas un problème. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup bah, j'ai envie de retourner là où il y avait l'indice. Le problème c'est que si ça refait planter le jeu, on va pas être très très bien. Mais c'est pas grave, on va essayer. Déjà on sait que c'est sauvegardé donc c'est bon, on va tenter de retourner sur le truc. En tout cas super sympa, tu vois, on peut relever aussi que les jeux à l'époque comme ça, tu vois. Les chargements étaient rapides, enfin, c'était vraiment bien quoi, franchement. Hop. Même, carrément, ça me dérange pas, ça sauvera des vies. C'est pas faux. Alors pourquoi t'as pas l'air convaincu? Parce qu'on va aller en tôle. Parce qu'il va se passer quoi au final? On va aller en tôle. Pour en finir avec les gros poissons, les parrains, et pour que ce soit définitif, il va nous falloir bien plus que des armes à feu. J'en sais rien. Et toi? C'est un jeu dangereux, inspecteur. Tant mieux. C'est le jeu que je préfère. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu qui me plaît. Bon, c'est là qu'il y a un indice. On recommence. Alors, là on va rigoler parce que si ça replante, on est dans le caca. Ah, je vous le dis, hein. Si ça replante, on est dans le caca. L'indice est là. Je me mets bien devant. Y a pas d'indice là. Ah, est-ce que l'indice a été... alors attendez, est-ce qu'on peut voir affaire? Oh, il a enregistré. Il a enregistré malgré tout. Oh, c'est super bien fait. Bon bah c'est bon. On a l'indice du coup, malgré que le jeu a planté et tout. Franchement c'est parfait. Voilà, voilà, ça c'était un jeu qualitatif. Qu'on se le dise franchement, hein. Par rapport au jeu d'aujourd'hui, bon, je vais pas faire l'ancien, faire le nostalgique, de toute façon c'est pas le but. On est là pour se régaler, mais disons-le, il y a quand même un bel écart entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait avant, hein. Hélas. Allez, on va aller à notre objectif, premier objectif. Est-ce que c'est ici? Oui. Ah là, à mon avis, il va y avoir du people, hein. Là, à mon avis... va y avoir du people. Village people, YMCA bien évidemment. Et en parlant de scier, voilà des rondins de bois. Enquêter sur les pistes. Mais est-ce qu'il y a des ennemis ou pas? Depuis le château d'eau. Ok, bah allons-y. Scanne les environs avant qu'on s'approche. Oui, bah j'ai entendu des gens parler. Ah voilà. Alors, un bateau. Alarme et renfort. Voilà, on est sur Far Cry, hein, littéralement. Désactivez le boîtier d'alarme ou détruisez tous les haut-parleurs pour empêcher l'arrivée des renforts. Ok. Là, lui, je dois l'arrêter. Oh là là. Un deuxième à arrêter. Brown Nathan. Très bien. Ok, on a le réseau d'alarme. Elle est là, l'alarme. Il n'y en a qu'une seule. Oui, on a deux options. Par contre, il y a énormément de monde. Il y a pas mal de monde. Ah bah. Qu'est-ce que t'en dis ? On avance. Discrètement. Pour le moment. Mais est-ce que je peux tirer dessus avec mon pistolet peut-être ? Je ne sais pas. Ok. Bon, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Oh, là, il m'aurait fallu la tyrolienne. Oh ! Là, il me faudrait la tyrolienne. J'aurais pu faire un truc de ouf. Mais là, j'ai qu'un grappin pour le moment, malheureusement. Elle est où, Kai ? Ok, elle est déjà en bas. Ok.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est le boîtier d'alarme. Je pense que j'ai scanné tout le monde. Là, un petit silencieux sur le pistolet, ça ferait pas de mal. Alors, le boîtier d'alarme... Ah ouais, merde. Ah, ça, c'est... Ça, c'est terrible. Allez, on va essayer de faire ça méthodiquement. Alors, déjà, dans un premier temps. Hop. Voilà. Et très joli, ce plan. Voilà. Toi, tu bouges pas. T'es en état d'arrestation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chut, tais-toi. T'es flic, toi ? J'y crois pas. Ouais. Comme tu le dis, tais-toi, bouffe le sol, bouffe les fougères. C'est à la mode en ce moment. L'alarme est juste ici, les gars. Arrête-toi tout de suite. Ouais, ouais, pas de problème. Merci. Merci pour ta coopération. Oh. Merci pour ta coopération. Oh, je lui ai fait un... Magnifique. Allez, le boîtier d'alarme, je le tente. Hop. Désactiver l'alarme. Voilà. Une bonne chose de faite. Et bah là, on n'a plus qu'à faire ça proprement. On a lui à arrêter là-bas, par contre. Faut vraiment pas le buter. Arrête-toi tout de suite. Voilà. On se calme, mon pote. T'inquiète, ça va bien se passer. Alors, le seul truc quand même pas réaliste, et heureusement d'ailleurs, c'est que quand tu les mets au sol, ils pourraient très bien crier, dire « Hé les gars, au secours !» Et puis ça foutrait le bordel. Mais heureusement, le jeu est simple. Arrête-toi tout de suite. Voilà. Ok, on se calme, d'accord. Ça va bien se passer. Mon téléphone a vibré, donc il y a quelque chose à récupérer ici. Bien évidemment. Ça se passe plutôt pas mal. Alors, il est où l'indice? Ah bah c'est ça. Voilà. Hydroglisseur taché. Sous le bateau, on décèle des traces d'exposition à la tartazine. Superbe. On bat les couilles. Alors, on va s'occuper de mon frérot. Il n'y a pas de piège là, c'est bon. On va s'occuper du frérot de la Vega. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Je ne sais pas. Oh. Ah, j'ai cru voir des trucs. Bon, monsieur! Les mains en l'air! T'es en état d'arrestation! Vous avez un mandat d'arrêt! Voilà! Ensuite. Là, il y a des trucs à récupérer. Hein. Là, il y a de la bonne coke. Putain, le téléphone il vibre! Il est où l'indice? Là! Ok! Matériel pour prise d'échantillons. Superbe. Bon, il reste plus qu'un gars. Je me balade un peu. Heureusement que le téléphone vibre quand il y a des trucs. Bonjour monsieur. Les mains en l'air. Tous vos potes sont tombés. Voilà. Allez hop. Ça dégage la racaille. Propre, efficace. Ça, c'est fait. Ok. Caille. À ton avis, ils gardaient quoi ces types ? De la cam, du fric ou des flingues ? Il suffit de fouiller pour le savoir. Oui. Attends, j'ai une loupe là-bas, on va y aller. On va fouiller dans les conteneurs. Bonjour. Ah. Très roots, leur matos. Au moins, on est sûr que ça capte ici. C'est vrai. Ok. Ce type avait rendez-vous dans un stade un peu plus tard. Le stade le plus proche se trouve à Miami. Mmh. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça. Bon, il est temps de continuer. Pas de problème. Y a des trucs à check là. Là. Ok, enveloppe de papier craft. Bon, on ouvrira les indices plus tard si on y pense, hein. On va pas faire ça l'un après l'autre. Équipement tactique, bah écoutez, moi je vais rien changer si j'ai pas débloqué de nouveaux accessoires. T'as la pénonante par contre, ça carie. Hein. C'est vraiment pas mal. Maintenant j'hésiterai en fait, ça c'est vrai que je l'utilise pas en fait. Hein. Je vais prendre la tyrolienne. Eh, en vrai de vrai, vous allez voir, la tyrolienne elle va trop nous être utile. Bah déjà avant vous avez vu. Hein. Ok, bah écoutez, on va enchaîner je pense, on va y aller Kai. On va enchaîner. Puisqu'on avait un autre endroit à checker. Bah voilà. Okay, on retourne au bateau. Alors si je peux me permettre Kai, j'ai pris les devants avant toi, donc tu vas me parler sur un autre ton. Très bien. Très bien. Vraiment sympa ce jeu, franchement.
Ah, j'espère que vous kiffez l'aventure. Vraiment, hein. Du fond du cœur. Tiens, que les cartels reviennent dans les Everglades. Ouais. Et bon, pour l'instant, tout ce qu'il nous faut, c'est trouver Nels. Tu penses que Nels bosse avec les cartels? Non. Les cartels ont leur propre réseau. Là, c'est quelqu'un d'autre. Hop là. Bon alors, tu sais quoi sur Nels? C'est un bourge qui a lâché l'école de cinéma. Il a commencé en cherchant à financer un film avec de l'argent sale. Laisse-moi deviner. Il a oublié de le réaliser. Ah non, il l'a fait. C'était de la merde. Ah! Ouah, il m'a fait trop peur le croco! Ouah, la tête de Wam, il m'a fait trop peur le croco! Ok! Eh ben, il y a beaucoup trop de crocos là quand même, hein. Il y a autant de crocodiles que de dealers, hein. C'est fou ça, c'est fou! C'est fou! Allez! T'as à dire que GTA 6 ça va être ça quoi. Vous vous rendez compte? J'insiste, hein, mais j'ai trop hâte d'être en 2025. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Hey Kai, j'ai une question à te poser. Tu m'aimes? Entre toi et Tyson. Ah. Ça, tu sais, une fille, ça a parfois des rancards. T'es sorti avec Tyson? Je l'ai rencontré en soirée. On est sorti une fois ensemble. Enfin, deux. Officiellement deux. Attends. T'es sorti avec un dealer de coke? Courtier en coke. Il s'est aperçu quand t'es des flics? Quand je me suis aperçu qu'il était courtier en coke. Écoute, t'es pas forcé de me croire, mais c'est un peu bien. La police qui sort avec des dealers, c'est quand même... Tu vois, comme quoi... Ok. Par ici. Hop. Oh, les oiseaux, c'est magnifique. On dirait les débuts de film, vous savez. Je sais plus c'est quoi le label de film qui fait ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est quoi encore cet endroit? Aucune idée. Tatami. Va au moulin avant, qu'on ait une vue aérienne. Pourquoi mon téléphone a vibré? Il a vibré d'une drôle de façon. The fuck? Bon. Reste à l'écart tant que t'as pas scanné la zone. Pas de problème. Mais je vois personne, hein. Y'a son père. No trespassing. Non mais y'a personne, hein. Et moi j'ai une tyrolienne carrément, si je veux. Écoute, oh. Je dis pas qu'il faut faire quelque chose. Merde. C'est que je vais à l'église ce dimanche. Ah, maintenant il y a des gens. Je voudrais pas le rater. Ok, écoute, il y a un acheteur qui se pointe. Et alors, ok. Oh putain. Oh, j'ai la troisième. Il s'était donné rendez-vous. Incroyable. Là, il se disperse. Approche-toi un peu. Ils sont vénères là. Ils sont ultra vénères là. Non, non, moi je m'approche pas, hein. Ça va partir en steak haché là. Oh, j'ai une strat de zinzin. Elle est où Kai? Elle est là. Ok. Stop! Les mains en l'air! Ok. Bouge pas, bouge pas. Bien en vue. On se calme, mon pote. J'ai failli me faire cramer. Oh, le crocodile. J'ai failli me faire cramer, c'était chaud de night. Je peux pas aller dans les marécages, il y a un crocodile. Ah putain, ça me tente très bien de passer par en bas, hein. Oh là 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 là. Bon, faudrait que j'arrête en priorité le mec là-bas. Faudrait que j'arrête en priorité le mec. Alors attends, parce que là on va avoir un petit problème. Ok, 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 ok. Je parle pas trop pour éviter qu'ils m'entendent, hein, bien sûr. Mec un peu trop RP. Ils sont pas si nombreux que ça en vrai. Oh, 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 monsieur, monsieur. Oh, oh, oh. Monsieur, bonjour. Surprise. Garde les mains en l'air. Allez. Et voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, vas-y, bourrin. Ah merde. Ma pénonnante. Allez, go. Allez, go.
Ok. Alors pour le coup, je suis super content. Je suis super content d'avoir eu ma cible. Hein ? Aïe ! J'ai eu mes trois cibles alors que dans le précédent épisode, je les avais pas tous eues. Aussi fou, monsieur ? C'est bon, on est tranquille. C'était quoi ce bug ? C'était une ferme aux alligators. C'est plutôt malin, faut reconnaître. Alors. Ouais. C'est loin de tout, accès facile à la mer et à la terre ferme, et des putains d'alligators. Bien. Il y a une antenne radio à l'arrière. Allons voir ça. Attends. Attends, mon téléphone a vibré avant. Mon téléphone a vibré. Non, bah, je suis débile. On devrait jeter un œil au propos. Ah, si, si. Mais attendez. On devrait jeter un œil au croco. Il y a comme un truc pas net. Ah ! Alligator mort. Missy pénis. Jusqu'à 4m50 à l'âge adulte. Ah, c'est un appât pour alligator. D'accord. Ok. Et trop content d'avoir eu mes trois cibles, franchement. Hein. Je suis trop content. Allez, on enchaîne les amis, excusez-moi. Et j'espère que vous kiffez cet épisode. Presque une heure. Une heure de bonheur. La pédonnante, elle carie. Bien évidemment. Allez, c'est bon. C'est les hommes de Nels. Tiens, réponds-leur. Tommy répond pas. Grouille. Hé hey. Non, non, tout va bien. Je suis là. Oh, l'accent. C'est Antonio. Et il est où, Tommy? Il est en train de chier. Classe. Il doit aller au rendez-vous. Nels, dit que c'est l'heure. Ça marche. Il doit aller où? Ah, t'occupe, Antonio. Tommy sait où il doit aller. Et dis-lui qu'on est en route. Excellent. Une conversation sympa. Ce rendez-vous sur son téléphone, c'est avec Nels. Il a dit qu'ils allaient... Le Miami Aquatic Stadium est fermé depuis un bail. Ça doit être le point de rendez-vous. Allez, on se bouge. Pas mal d'infos de récupérer. Peut-être des indices à choper encore. Non, je ne pense pas. Allez au stade. Ok, c'est parti. Par contre, j'ai des copains qui nous attendent ici. Bon, on va se faire les trois en même temps. Regardez, ça va être beau. Hop, le petit pistolet qui fait plaisir. Bonjour, gendarmerie nationale, plus un geste. Arrête-toi tout de suite. Tout le monde, tout le monde. Putain. Au sol. C'est quoi ce bordel? Hey, bah, merde. Oh non. Hé, hey, racaille. Aide-moi, racaille. Putain, j'ai tout foiré, racaille. Mais elle m'a donné des soins, racaille. Sympa. Allez, on se casse. Hop, c'est moi qui conduis. Ah. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Sud d'ici. Accroche-toi. C'est pour dire. Alors, le troisième épisode est quand même très très long hein, par rapport au précédent, hein, j'ai l'impression. Hein. Incroyable, hein. Ok. Miami Aquatic Stadium. Genre ça c'est vraiment Miami tout ça, moi je trouve ça impressionnant. Miami c'est quand même... C'est quand même quelque chose Miami. Hein. Ouh. Ouh. Magnifique. Nick, doucement. Pas la peine d'annoncer notre arrivée à Nels. Ok. Hé hey Nels, on est là. C'est le mec qui a pas compris. Par contre c'est toi qui cours et qui fais beaucoup de bruit hein, ma belle. Hein, avec tes talons. Talons aiguilles. Y'a quelqu'un? Hey, doucement. Tu vas nous faire repérer. Oh là, j'ai eu chaud. Hein. Oh là, j'ai eu chaud. Hein. Ok, j'ai eu tout le monde. Le point de rendez-vous. Wouah, Miami. Oh les gars, j'étais à 6 quoi. Ça va être ça. C'est un truc de ouf. Allô. Alors. Ah, il parle de nous là. Je reconnais ça. Bon, je vais garder la pédonnante. Et comment, RMI? Vous avez
reste la brigade. Pourquoi il court lui? Pourquoi il court lui? Ok, je peux pas aller là. Je suis déçu. Bon. On fait ça à la cool ou on les bute tous d'un coup là? Hein, on va faire ça proprement. On va essayer en tout cas. Là il est tout seul lui au moins. Monsieur, retournez-vous tranquillement. Ne bouge plus. Allez. Ok, on se calme, d'accord. T'as vu ma pénonnante? Ouais. Fais pas le con. Je me souviens être venu ici une fois quand j'étais gosse. Oh putain, il y avait des mecs en dessous. Il y avait un hors-bord qui remorquait une... Oh, on a eu chaud. Oh, on a eu chaud, ma petite racaille. De ce côté du lac. Et il y avait un autre bateau qui tirait un tigre de l'autre côté du lac. Heureusement, ils sont aveugles. Hein. Mais... c'est pas bon. Oh, oh, j'ai compris. Du calme, du calme. Allez. Merde. Occupe de celui-là, Nick. Merci. Ok. Merci, Makai. Là, j'ai eu un peu peur, j'avoue. Là, j'avoue, j'ai eu un petit peu peur. Ensuite. Oh putain. Je vais me faire choper par un alligator. Oh, il y a de la cam. Ok. Oh, le petit demi-tour. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Alors. Je suis dans une situation plutôt embarrassante, là, en tabarnak. Chris de tabarnak. Alors, ils sont peut-être aveugles. Oh, putain, mais là, il va sur moi, là. Ok. Oh. Petite feinte. On aime bien. Allez. C'est maintenant. Interception. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi. M. Colonel Riel pour vous servir. Hop. Oh putain. Oh non, là ils sont trop. Bon, après on peut tous les buter, on s'en fout. Hein. Oh merde. Une alarme. Forcément. Il y a des alarmes. Si quelqu'un appuie sur le bouton, ça va être rock'n'roll. Oh non. J'ai trop le seum. Monsieur, vous pouvez pas dire qu'il y avait une alarme. Oh non. 1, 2, 3. Et c'est là-haut que c'est embêtant. On aurait dû commencer par en haut. Allez, je tente. Je tente la strat. Ok. Oula. C'est bon, ça va le faire. Putain. Arrête-toi tout de suite. Empêche-les d'atteindre l'alarme. L'alarme est cassée, c'est bon. J'ai cassé l'alarme. Tir collatéral. Hop. Et voilà. Et voilà. Ah, y en a encore un. Y en a encore un. Magnifique. Et on a eu chaud au kiki là quand même. Hein. On a eu chaud au kiki. Oh mais c'est le mec qui a couru avant. Nah. Pourquoi tu te planques? Salaud va. À gauche. Bah, oui. Les mains en l'air. Levez les mains. Mendoza, c'est vous? La ferme. J'ai accepté l'offre de Stoddard. Vous avez de sales amis, Mendoza. Comment ça? Quelle offre? Je suis un fantôme. Vous m'entendez? Chier! J'appelle un hélico. Il pourra pas aller bien loin. Bah, il aurait fallu lui mettre une balle. Waouh. S'il y a peu de fenêtres, on peut tenter les fumigènes. Une équipe de 3 hommes entrera par ici, une autre là. Les snipers, ici et ici. Eh bien, j'ai l'impression que Stoddard a pris les choses en main. Je m'en fous. On l'a eu les premiers. Nick. Et c'est parti pour l'assaut final. Hé, hey, vérifie d'abord si elle est verrouillée, petit futé. Alors, tu vas te détendre quand même. Ah bah voilà. Enfin un coup de bol. Énorme. Ah. Coup de feu, coup de feu. Stoddard, on passe à l'action. Allez. Demande à tes hommes de faire diversion. Il est juste là. Là. Juste là. On s'en occupe, sergent.
Ah oui, ben là... J'ai dit, on s'en occupe. Kyle, qu'est-ce que tu fous, bordel? Aïe! Mais attends, mais... Il va falloir se détendre, là. Oh, j'arrive pas à le toucher, lui, là-haut. Putain! Je suis dans le caca. Allez, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Il est immortel, lui! Il est immortel! C'est quoi cette histoire? Ah non, là, je suis complètement pas d'accord. Ah là, je suis pas d'accord. Ok. Oh. Ok. On va changer la strat. Oh non. J'ai dit, on s'en occupe! Oh non. Kyle, qu'est-ce que tu fous, bordel? Mais meurs! Ok. Bon, on est les deux seuls qui avons lancé un assaut. Lui, il meurt pas. À toutes les unités, stand-by. Plus d'infos à venir. Chopez Steve! Voilà. Te relève pas! Oh! J'ai réussi à le toucher, le mec en haut, pour une fois. Ok. Ok. Rien à cet étage! Allez. Ouais, monte. J'espère que tu sais ce que tu fais, même pour ça. T'inquiète. Bon, ça, on s'en fout. Pas d'indice, là? En vrai? En vrai. Dommage. Allez! On monte. Il y a toute une unité et nous on est les deux seuls cons qui faisons l'assaut quoi, je suis mort. Ok, ok. Allez. Pour info, nos renforts sont en route. Ok. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais il sort d'où là lui? Ok. Ah d'accord. Oh! Oh! Alors, ça fait moins la maline là! Oh putain! Alors, toi. Voilà! Allez! Allez! Ok, ok, ça c'est pas bon! Ça c'est pas bon! Allez! On continue! Ok! Ok! Allez, ma belle! On y va avec ton petit chignon là. Pour ceux qui ont la ref. Pas forcément la meilleure des refs. Allez, let's go. Nils, tu te calmes, Nils. Guy, t'as trouvé quelque chose. On est au deuxième. Bien pour l'instant. Eh. On se calme, la racaille. Eh, viens m'aider, toi. On sécurise le périmètre. On va pas tarder à lancer l'assaut. Bah, ce serait pas mal de lancer l'assaut parce que en fait on l'a déjà lancé en fait Wesh. En place pour enfoncer la porte de devant. Tout est prêt, reste plus qu'à frapper à la porte. Ok. Faut juste pas confondre nos alliés hein, par contre. Hop, reste au sol toi, reste au sol. On y est. Voilà. J'attaque les suspects. Oh putain. Oh du gaz. Je le vois. Oh là là. On aurait peut-être dû prendre un masque à gaz finalement. Il est là. Oh putain. Mais c'est pas possible. Mais regardez-moi ce campeur. C'est un vrai campeur. C'est pas possible. Imagine on recommence du début. Ok c'est bon. Alors attends, j'ai de nouveau ma P90. Allez. 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 On sécurise le périmètre. On va pas tarder à lancer l'assaut. Oh bien ça, bien ça, bien ça. Ça c'est bien en joué de ma part. Pour la porte de devant. Toujours viser la tête. Reste plus qu'à frapper à la porte. Ok, je m'en sors beaucoup mieux là. Il est allé là-bas. On y est. Alors attends, celui qui campe là, il est où là? J'attaque les suspects. Attends, je recharge. Voilà. Allez. Ça, c'est fait.
Nels, baissez votre arme. Je vous tout de suite. J'ai accepté son offre. Vous, Stoddard, prenez tout. Moi, je me tire. Lâchez votre arme et on pourra parler de Stoddard, de vos arrangements, de ce que vous voulez. Stoddard, qu'est-ce que tu fous ? Je crois que je t'ai sauvé la vie, Mendoza. Il venait de se rendre. Nick, laisse tomber. Et moi, je dis que t'étais en danger. Ouais, ouais. Le seul danger, c'est qu'il parlait d'un arrangement entre vous. Laisse tomber, Nick. Sûrement pas. Non, 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 je suis curieux. Nels, t'as dit quelque chose d'intéressant, Nick ? Ça suffit. Écoute ta collègue. C'est quelqu'un de très futé. Viens, avant que les autres arrivent. Tu te fous de moi ? Tiens, Nick. Bravo, excellent travail. Très futé. Je comprends mieux. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Et ben voilà. Mais en même temps, c'était pas compliqué à comprendre pour le coup. Waouh ! Comment on s'est fait douiller ? Donc voilà, évidemment, c'est un... Voilà, on a chopé les trois, c'est bon. C'est un gros corrompu ce mec. Et le problème, c'est que notre collègue n'est pas mieux. Voilà, elle était déjà dans le coup finalement. Et elle le savait. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas de doute sur le fait que l'inspecteur Karl Stoddart est pourri. Mais impossible de savoir qui d'autre est dans le coup et qui couvre son cul. Moi, je pense que notre collègue fait un peu partie du coup. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode ultra intense. Ça va continuer comme ça pour les prochains. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. J'ai hâte de vous lire. Et à très vite. C'était Mkolo, plein de bisous. Et ciao tout le monde.